Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une rillette de poulet minute avec des noisettes et des figues. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de nos rillettes. 2 blancs de volaille que j'ai déjà ici cuits vapeur, un petit peu de piment fumé, des figues, alors c'est la saison, encore une fois, profitez, regardez un peu la taille de ces figues, du fromage blanc, un petit peu de jeunes oignons, de l'huile d'olive, et des noisettes et quelques tranches de pain. C'est une recette à la fois gourmande et à la fois quand même santé. Mon blanc de volaille. Donc, simplement des gros cubes, n'oubliez pas qu'on va le mixer. Ici, la figue. Alors, laissez la peau, encore une fois, c'est la saison, la peau des figues, c'est bon. On rajoute ici, coupez aussi toujours assez grossièrement nos jeunes oignons. Je prends mon petit piment fumé. Je viens délicatement mettre à l'intérieur. Je prends les quelques noisettes que je vais venir ici d'abord concasser un petit peu au couteau. On rajoute une dizaine de feuilles d'estragon. Il me restait un petit morceau de citron que j'avais zesté. Là, je mets un filet. Alors le yaourt, c'est suivant un petit peu la souplesse de la préparation que vous souhaitez avoir. Donc on va commencer simplement avec ça. N'oublie pas l'assaisonnement, sel. On ouvre ici parce qu'on va devoir ajouter un petit peu d'huile d'olive et on tourne position 1. Voilà, regardez, maintenant on commence à émulsionner. Regardez ça. Nous, ce qu'on va faire, on va se faire une très très belle tartine. Donc, tranche de pain passée au toaster, mes belles figues. Là, je viens, regardez, faire de beaux petits quartiers comme ça. Là, je vais venir couper un petit peu de ciboulette. Et là, on va simplement construire un petit peu notre tartine. Il en faut, hein, pour que ce soit gourmand. Hein. Donc là, vous venez déjà planter ici de façon élégante vos belles figues. Hein, donc, laissez les choses un peu tomber de façon naturelle. Je vais prendre encore un jeune oignon. Là, vous venez faire tomber encore quelques petites noisettes. Vous voyez, on pourrait presque croire à un plat, à une petite tartine estivale, alors que c'est vraiment une tartine qui est faite avec les couleurs et les produits de l'automne quand même. Vous le posez ici. Un petit peu de figue. Donc n'hésitez pas, créez vos propres recettes, envoyez-nous les photos. Essayez d'abord celle-là. Bon appétit.